Salut tout le monde! Re-bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Noémie. Et moi, Chani. Et là, aujourd'hui, on fait une vidéo que ça fait quand même un petit bout qu'on attendait de faire. Et c'est de dévoiler notre ADN. Oui. C'est ça, ADN? Oui, ADN. ADN, ok. Notre identité origine. What? Ouais. En fait, il y a comme pratiquement 2 mois. On a fait un test, on a commandé un petit kit par internet. Ouais. On a pris des échantillons de bave et tout ça, puis on a renvoyé ça au laboratoire. Et là, on a nos résultats. Yeah! Fait qu'on va vous dire ça, on va savoir si Noémie est asiatique finalement, puis si je suis quelque chose que je sais pas. Est-ce que t'as, mettons, des prédictions? Tu penses peut-être que c'est complètement random que ça pourrait sortir? Moi, je pense que j'ai probablement un fort pourcentage d'Amérindiens. D'Amérindiens? Ouais. Ok. Mais tu penses à l'international, mettons? Je sais pas. On m'a dit que je fais plein de choses. On m'a dit des fois, on me disait, t'as l'air espagnol, des fois, on me dit, t'as l'air brésilien. Non. Ah ouais? Donc, plein de choses, ouais. Ouais, interesting. Moi, je pense peut-être que j'ai peut-être genre de l'Amérique du Sud. Ouais, malgré que ma famille est pratiquement toute européenne. Peut-être qu'il était Inuit. Ouais. T'as l'air d'un petit Inuit. Ouais. C'est mon père est français, mais on a des origines un peu partout en France. Puis du côté de ma mère, on a des origines amérindiennes. Fait que peut-être que ça pourrait descendre d'en haut, tu sais. En tout cas, on va savoir ça là. Ok, hein? On y va! Alors moi, j'ai le cellulaire de Noémie et Noémie a mon sel. Fait que là, on s'annonce qu'est-ce qu'on est. C'est ça. Ah, ouais! Ah, ben là! Moi, je sais pas si je comprends pas c'est quoi, mais t'es quelque chose en... t'es quelque chose vraiment prononcé, en tout cas. Ah, ouais? Genre un fort pourcentage dans quelque chose. Ouais, vraiment, là. Ah, ouais? Ouais, mais je sais pas c'est quoi. Vie globale. Ok, ben c'est quoi? Fait que je vais, je commence? Ouais. Ok. Donc, Mimiban. Ouais. Tu es 58,3% scandinave. C'est quoi ça? Scandinave? Fais une recherche. Non, c'est genre la Norvège, la Suède, c'est comme tout le nord, là. De l'Europe. T'es presque. C'est bien random. T'es presque 60%. Scandinave? Ben, tu sais, j'imagine qu'on va avoir des détails éventuellement. Là. Attends, on va commencer par les pourcentages. Ok. Ok, attends, j'ai pas fini, là. Non. Fait que là, t'as 33,6% Iber. Iber. Aucune idée. Iber. I-B-E, accent grave. Par exemple, les Ibères sont une population proto-historique de la péninsule ibérique. Ils sont aussi appelés ainsi par les... Attends. C'est genre la côte... c'est genre la Méditerranée, fait que c'est genre le sud... c'est genre c'est ça, c'est l'Espagne, France, Portugal. Fait que tu vois, ça fait du sens. Ça fait du sens. Mon père est français, puis je sais qu'on a des origines espagnoles du côté de mon grand-père. Fait que t'es 100% Europe. Ouais. Italienne. C'est ça ton autre pourcentage? J'ai 5,5 d'Italie. J'ai absolument rien d'Amérique, genre. Ils sont peut-être mélangés d'ADN avec quelqu'un d'autre. Barbara Stinner. Ma cousine germaine éloignée au deuxième degré. Cousine germaine? C'est quoi germaine? Les connais-tu, eux? Non. Karine Poirier. Et j'irais quand même du Canada. Arrière. Là, tu vas en bas, puis tu fais suivant. Ça te décrit tout, mettons. Ah! Oh, jouer la même. C'est le chant de ton pays, Scandinavie! Ah, c'est wow! Bizarre. Ah, ok. Senti, ça se fait si chatouille! Non! Non! Iber, c'est ça, c'est quoi Iber? Oh! Ah, ça me rejoint, ouais, ça! Vrai. Ah ouais, ça c'était plus tchiki-tchouk. Italien. Ah. C'est quoi la petite mélodie? Oh! La pizza, les pastas! Yeah! Ah. C'est tout. Fait que... Ben c'est tout! I guess, ouais. Mais attends, tu veux-tu savoir toi? Ben c'est ça, genre... Ok, toi t'es vraiment mélangé. Ouais. Fait que t'es 94% d'Europe. Ben voyons donc! Ouais. Europe du Nord et de l'Ouest, t'es 37% bretonne, irlandaise, écossaise et galloise. Ça n'a pas du sens, veux-tu écouter la petite mélodie? Ah,
Wow! Après ça, t'es 2,3% finlandaise, pis t'es 2,1% scandinave. Fait qu'on est à moitié cousine. Après ça, t'es 29,7% Europe du Sud. Fait que t'es 18% italienne, pis 11,7% ibère, comme moi. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'était trouvé un peu. T'es 18% italienne. J'aime bien les mélodies. Je comprends la France. Je suis zéro et un mérésé. Ça y est, c'est bon. T'es 15,6% européenne de l'Est. Est-ce qui comprend la Russie, l'Ukraine, la Pologne et la Hongrie? T'es 7,3% peuple des Balkans. Non, mais t'es vraiment mélangé là. Ah, hey, attends, t'as 4,1% méso-américaine et andine. Fait que t'es genre. L'Amérique du Sud. Ah, mais t'es Inuit, t'as 1,9% Esquimaude Inuit. 1%! T'es Inuit! Mélodie. Ah ouais, ça j'aime ça. Ouais, ça j'aime ça. Ça te rejoint? Ouais. Comme ça te rappelle ouais, ça, je pense que c'est ma prête, c'est climat. Ok. Je pense que c'est peut-être fait fourrer un peu. Je sais pas à quel point c'est vrai. Mais ça sonne faux. Ouais. Je sais pas. Pourtant, c'était crédible, là. Comme, tu sais, leur petit kit, pis tout. On met ça dans des affaires scellées. On envoie ça au Texas. C'est parce que je pense qu'il manque un peu d'informations. Mettons, on a des pourcentages, mais on dirait que ça l'explique pas le pourquoi que tu viendrais de là. Mais c'est ton ADN qui vient. Comme, comment tu penses qu'ils ont recueilli. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vient de là, mettons? C'est quoi? Ils ont recueilli des ADN qui viennent de là, genre? Pour les comparer. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Ça. On aurait besoin de plus d'explications. Ouais. Tu sais, tu peux voir les membres de ta famille que tes parents avec, mais c'est comme des gens il y a vraiment longtemps que tu n'as aucune idée c'est qui dans le fond. Mais si c'est vrai, c'est quand même étonnant que moi je comprends vraiment pas que je sois scandinave. Mais on saura jamais. Ouais. On veut qu'on fasse des tests vraiment poussés. Je suis comme pas convaincue de la chose. Moi non plus. Tu sais, si t'avais dit, mettons, 40% Inuit, je pense que. On l'aurait plus cru, tu sais. Ouais. Ben, moi, j'ai aimé les mélodies. Oui, des petites mélodies. C'était cool. Puis, c'est ça. Ben, c'est ça, hein. Ouais. Donc, 1, 2, 3. Mais c'est ce qui conclut la vidéo. Ok. 1, 2, 3. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. On sait pas si vous êtes surpris autant que nous des résultats. Ouais. Moi, je suis vraiment surprise. Ouais. Je comprends pas. C'est pour ça un peu que ça remet en doute. Ouais. J'ai vraiment plus d'explications. En ouais, fait. De détails. De détails. Ben, si vous êtes aussi surpris que nous, écrivez-les dans les commentaires. Ouais. Puis, ben, si jamais ça donne que vous faites le test vous aussi, ben, partagez-nous-les. Partagez-les-nous. Partagez-nous-les. Nous-les. En tout cas, dites-le-nous. Puis, mais je pense que je conseillerais fortement, si mettons tu veux vraiment savoir d'où tu viens, peut-être aller dans un endroit professionnel. Parce ouais. que là, c'est comme broche à foin. Ouais. Fait que. Écoute. Mais on peut continuer de faire des recherches, par exemple. Oui, absolument. Absolument. Côté. Absolument. Ouais, on va checker. Puis si ça se trouve, on est peut-être, je suis peut-être une vraie viking, puis toi, t'es une vraie. Une vraie européenne. Ouais. À 94%. Ouais. C'est ça. Fait que si vous avez aimé ça, donnez-nous un gros. Thumbs up et ben on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo et on n'oublie pas de se subscribe to the channel et puis ben si vous avez des idées de vidéos ou quoi que ce soit aussi on aime bien ça quand vous nous en proposez ouais. Donc, écrivez ça dans les commentaires ouais. On se voit la semaine prochaine bye.